15h, 16h30, Cyril Sarah Cohen. Bonjour Olivier Marois. Bonjour. On va découvrir votre titre, Tu sauras pas quoi faire de moi, issu de votre nouvel album éponyme qui paraît le 16 février, et puis on revient juste après. Si je suis touchant, j'ai les yeux verts de ma maman. Tu me trouveras du panache, tu me trouveras désarmant. Tu riras de mes conneries, t'en riras brave allant. Tu me trouveras pas pratique, mais ce sera déjà trop tard. Ce sera déjà de la quantique. On se fera rire tout seul, ce sera perdu pour la science. Tu me connaîtras par cœur, t'auras même un peu d'avance. Tu sauras pas quoi faire, tu sauras pas quoi faire, tu sauras pas quoi faire de moi. Je te dirai que t'es belle, tu me taperas sur le bras, tu me diras que ça se fait pas. Tu sauras pas quoi faire, tu sauras pas quoi faire de moi. Je te dirai que je t'aime, tu me taperas sur le bras. Je te dirai que c'est comme ça. Et on vient d'écouter ce titre en direct, Tu sauras pas quoi faire de moi, d'Olivier Marois. Rebonjour Olivier. Rebonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. On vient de découvrir ce titre. Vous vous dites finalement qu'il faut composer avec vous, c'est ce qu'on comprend. Oui, je sais pas. On sait pas quoi faire de vous, mais bon. Ouais, bah pas le choix de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez voulu dire dans ce titre, dans cet album. Qu'avez-vous voulu exprimer? Tout est un peu dans la chanson, quoi. J'aime pas faire de trop longs discours, c'est pour ça que je fais des chansons courtes. Ouais. Et mais c'est assez précis, quoi. C'est tout simple, quoi. On ne saura peut-être pas toujours quoi faire de moi. Vous dites, votre communiqué. Pourquoi donc? Parce qu'il est beau comme un vieux. Ah mais c'est justement ça le problème. C'est écrit, que c'est impossible de ne pas tomber sous son charme, c'est ce qui est dit. Mais pour autant, on ne saura pas quoi faire. Peut-être justement que c'est un fou égo trip, je ne sais pas. Oui, alors c'est pas pensé aussi profondément que ça, quoi. C'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus direct, et la personne existe. Donc je m'adresse à une personne en particulier. C'est ce que je fais en général. Ce sont plutôt des conversations plutôt que des chansons. Général, j'aime pas trop les chansons globales. C'est ciblé, quoi. Oui, je suis pas très. J'aime pas trop m'écouter parler. J'aime pas la finesse de mes analyses politiques. M'intéresse peu. Donc, je préfère me concentrer sur ce que je comprends vraiment. On peut dire que votre gris, c'est une voix grave, chaude, parler, chanter, patiner, des mélopées sans mélo, une esthétique pop, chanson orchestrale. Est-ce que ça, c'est juste? Alors, je sais pas, c'est flatteur, hein, pour la voix. Moi, je pense qu'elle est un peu amoureuse. Oui, non, je suis déjà amoureuse, je vous remercie. Pas d'histoire aujourd'hui, ce serait compliqué à gérer pour moi après. Ce serait très compliqué. Mais en tout cas, on découvre ce titre. Et puis, comme j'ai envie de dire que c'est d'actualité aujourd'hui, on va découvrir aussi... C'est pour ça qu'on s'aime. C'est pour qu'on s'aime. C'est pour qu'on s'aime. On y va. Tu n'écouteras pas la chanson, ni les foutaises dans l'air du temps, ni les atermoiements d'un vieux con. Tu ris, tu pleures, moi c'est pas la question. Et si rien d'éternel, c'est pas pour compter les saisons. C'est pour qu'on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime.
Tu brises, tu souffres, puis tu lâches un sourire. La vie n'est qu'un club SM, où se font du bien les gens qui s'aiment. C'est beau, c'est vain, bah c'est la condition. Et si rien d'éternel, c'est pas pour compter les saisons. C'est pour qu'on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. C'est pour qu'on s'aime, on s'aime. Voilà, nous venons d'écouter ce titre qui vous appartient, Olivier Marois, c'est pour qu'on s'aime. C'est un album que vous avez composé avec Talisco, je crois savoir. Oui, voilà, avec Jérôme Amandi, Talisco. Et j'ai eu la joie de faire un petit disque avec lui de 4 ou 5 chansons il y a 2 ans de ça. Et en fait, ça c'était nous a... un EP, c'est ça. Un EP que vous avez sorti qui s'appelle Osanas. Oui, Osana. Exactement. Et donc ça nous a plu, on était content. On a été content de faire de la musique ensemble. Donc du coup j'ai eu l'opportunité de faire un grand disque, enfin un gros disque. Et donc je l'ai tout de suite sollicité et patiemment attendu qu'il soit disponible pour qu'on puisse faire ça tous les deux. Pour continuer ensemble sur cet album aujourd'hui qui s'intitule donc Tu sauras pas quoi faire de moi. Comment vous êtes arrivé dans le milieu artistique? Parce que je crois savoir que vous êtes surtout un ancien prof de tennis à la base des bases. Oui, et puis je suis même avant ça, je suis même serveur, barman, je suis tout ce que vous voulez, balayeur, etc. Je suis venu très tard à la musique, enfin très tard, n'exagérons rien. Mais j'ai commencé à 21 ans, mais ce qui est tard. Parce que pour apprendre un instrument, c'est assez tard, etc. Donc j'ai commencé à 20, 21 ans à écrire pour le plaisir quelques chansons. Je m'étais toujours dit, oui, à 30 ans, il faut que j'aie fait un film, un bouquin, un album. Enfin, c'est ce que je m'étais dit gamin. Et donc, du coup, c'était dans cet état d'esprit-là que j'ai essayé d'écrire quelques chansons, voir ce que ça donnait. Donc aujourd'hui, vous écrivez les textes, et puis pour la composition, c'est Talisco et vous, juste Talisco. Je compose tout, puis après, il y a cette rencontre avec Jérôme, qui a mis le nez dans mes compositions. D'accord. Et donc, qui a fait beaucoup plus qu'un travail de simple arrangeur ou de producteur. Donc, c'est vraiment deux petits artistes qui se rencontrent. Allez-y, Jean-Luc pardon. Moreau a une question à vous poser. Non, mais c'est en écoutant là, les deux morceaux. Je trouve qu'en plus, indépendamment du texte, qui est très beau, j'ai trouvé que c'était assez rare de voir qu'il y avait une vraie place à la musique. Tout à fait. Et ça, c'est... Mais je passe beaucoup de temps. En fait, je passe mes journées à chercher des mélodies. Oui. Et je passe des journées à échouer, en fait. Oui. On est tous là, t'en fais pas. Ça fait partie. Et par chance, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Quoi. Parce que les mots, d'un seul coup, prennent un écho. Et c'est l'écho dans la musique, c'est beau. Oui, puis après, les chansons, il faut aller les chanter. Donc si c'est pour aller chanter partout. Je vous en prie, bien sûr, pour aller les chanter. Est-ce que justement il y a des scènes potentielles à venir ou est-ce que vous cherchez oui, potentiellement tout le monde entier et tout. Non, moi, ce que je veux, c'est faire 50, 100 dates par an jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'est ça que je veux faire. Mais l'important, c'est d'avoir, comme vous disiez, puisque c'est pour le jouer, sincèrement, avoir des mélodies qui nous plaisent. Égoïstement, c'est vachement important parce que s'il faut se taper tous les soirs un texte qu'on aime à moitié, une mélodie qu'on aime à moitié, etc. C'est soudain.
Bah, c'est épuisant et je suis pas sûr que ce soit bon pour la santé. Bah, écoutez, pour être tout à fait honnête, il y a de nombreux artistes qui sont très fiers de leur album en entier. Et en règle générale, quand la chanson marche très bien, que ça devient un single, ils disent « je n'en peux plus ». Toujours les artistes disent « je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement produit, je l'ai tellement mixé qu'au bout d'un moment, ce single-là, j'en peux plus », en règle générale. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. À partir du moment où je vais chanter une chanson sur scène ou que je vais me présenter à vous ici, moi, la chanson, c'est qu'elle me plaît à moi égoïstement. J'espère qu'elle va vous plaire à vous et à suffisamment de personnes pour que je puisse faire ça jusqu'à la fin des temps. Mais en vrai, ça me plaît à moi, donc j'ai pas ce genre d'angoisse ou de chichi. On découvre, je veux pas qu'on oublie. Bien trouvé jeune et ténébreux, les aléas de la vie m'importent peu, mais je veux pas qu'on m'oublie. Je veux pas qu'on m'oublie. Je veux bien qu'on m'aime, je veux bien qu'on hésite, mais je veux pas qu'on m'oublie. Je veux bien devenir riche et tout ce qu'on veut. Je veux bien me payer les putains de pardon. Je peux même bien tout perdre ou tout foutre au feu. Les aléas de la vie m'importent peu. Je veux bien vieillir à deux, vieillir heureux. Je veux bien mourir du bonheur plein les yeux. Je peux même bien crever seul et malheureux. Les aléas de la vie m'importent peu. Viens de découvrir ce troisième single extrait de votre album dont nous parlions il y a une petite seconde. Tu sauras pas quoi faire de moi. Votre premier album, Olivier Marois. Est-ce que on peut passer un message? Est-ce que vous voulez un petit coup de pouce? Est-ce que vous cherchez un tourneur? Est-ce que vous cherchez une salle? Est-ce que vous cherchez un artiste pour vous accompagner sur scène? Un musicien? C'est vous qui dites. C'est votre moment de faire une demande si vous le désirez. 12 tourneurs, 15 tourneurs. Que des tourneurs pour faire beaucoup de scènes jusqu'à la fin de la vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En attendant, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Marois Olivier. Oui. Et sur les autres réseaux sociaux, j'imagine que c'est Olivier Marois, peut-être musique, quelque chose comme ça. Oui, tout simple. Olivier Marois, j'avoue tout simplement sur YouTube. Oui. Cet album, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, il sort dans quelques jours, le 16 février, enfin dans deux jours en tout cas. Oui, il sort vendredi. On peut le retrouver en physique ou plutôt sur les plateformes, j'imagine aussi. Alors, plutôt sur les plateformes, a priori, parce que je sais, en physique, peut-être, mais je ne suis pas très au courant. Enfin, je ne sais pas. est-ce que vous êtes produit indépendant ou est-ce que vous avez un label? Non, j'ai la chance d'avoir une super petite maison derrière moi. Ah bah ça, bonjour Roy Music. C'est une grande chance en effet, c'est pas toujours le cas, donc bravo déjà pour ça. Depuis longtemps, donc c'est une petite aventure presque familiale. Et qu'on espère très longue en tout cas pour vous. Merci beaucoup évidemment. Olivier Marois d'avoir été notre coup de cœur en direct sur Radio J. Merci mille fois, à très vite. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Radio J.